La brise givre le lierre. Concours Ontario Pop, c'est pour aider les artistes de la relève justement à aller plus loin dans leur plan de carrière. Donc, on en choisit 6 en Ontario, puis on les fait participer. C'est une semaine de formation. Les gens pensent que c'est seulement le concours, mais ils arrivent une semaine avant, on les prépare, on a des formations pour eux tout au long de la semaine. Nous sommes le groupe Adaléon. On vient de Saint-Bernardin, puis on est à Ontario Pop 2011. Les arts dessinent un paysage. On va commencer avec la formation de la mise en scène, qui est super important pour eux, pour justement travailler le mouvement, la confiance sur scène, comprendre un peu plus pourquoi ils chantent ces chansons-là. Ça a commencé plus une histoire de famille. Moi, je cousine avec Frédéric et Jean-Philippe, qui sont frères. Puis au début, on jouait avec mon frère aussi. Puis au fur et à mesure, on juste, à force de s'améliorer, puis tout ça. Fait qu'on a été chercher vraiment des bons musiciens. Véronique Fournier, Toronto, interprète. Je vois des milliers de traces marquer mon espace. C'est facile à tricher au Gladstone parce que comme tu as une rangée complètement vide au début, si tu es timide, si tu regardes juste sur le côté de la rangée, puis ça donne l'impression que tu regardes quelqu'un. OK. Et je pense qu'avec toutes les expériences de la vie, on devient des meilleurs artistes, des meilleurs interprètes, des meilleures personnes. Et puis, on apporte tout notre bagage avec nous autres sur scène, puis on apporte tout ça dans nos chansons. J'ai mal quand même, j'ai peur quand même. Je chante parce que ça me rend heureuse. Et puis, j'aime ça rendre la foule heureuse. J'aime ça partager mes expériences et puis passer un message aussi aux autres. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Voler plus haut que ça. Plus haut que l'air et le froid. Claudia Parvient, Hawkesbury, interprète. Après toi. Le déluge. Après toi, le désert. Il faut toujours que ton mouvement il soit jusqu'au bout de tes doigts. Okay. Ça veut dire que quand tu es en train de le faire, quand ça redescend, faut que tes doigts redescendent aussi, mais pas. Tu peux pas le laisser tomber. Okay, c'est bon. La raison pourquoi je chante, j'ai plusieurs intérêts dans le domaine artistique, mais la chanson, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Je veux me faire connaître davantage, c'est pour ça que j'ai soumis ma candidature pour Ontario Pop. Puis c'est un concours de plus grande envergure, puis ça va me permettre de me développer en tant que chanteuse. On a des bonnes formations, puis ça va juste m'aider pas mal pour ça. On plonge au fond de la bouteille, tout est vrai tant qu'il reste à boire et qu'on éclipse le sommeil. Là-dessus, je continue? Ouais, moi, je la vois vraiment comme si elle n'est pas très, très contente de son état. Là. OK. Je souhaite beaucoup faire ça en musique. Fait que je vais me prendre de tous les moyens pour atteindre ce but-là. Là. C'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Hakim Ouellet, Matawa, auteur-compositeur. Je voyage avec aucun sens d'où que je vais aller. Je fais de la musique à cause que, je sais pas, c'est toujours été une passion. C'est commencé quand mes parents ont eu un piano chez nous, juste comme décoration, puis j'ai commencé à jouer, puis j'ai développé mon oreille, puis maintenant c'est juste devenu une grande passion, puis c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Je voyage juste pour te trouver. J'aimerais ça te trouver, puis après ça tu peux changer de place. Okay. Parce que sinon t'aimerais de ce côté-là, puis trouver de ce côté-là, puis c'est étrange. Je voyage juste pour te trouver. Mais je te dis que c'est difficile. Ah, que j'aimerais ça te trouver. Ontario Pop a aidé mon cheminement personnel. Et puis, je trouve que Ontario Pop va vraiment aider à peut-être monter ma carrière aussi, parce que je veux vraiment faire la musique ma carrière. J'aimerais ça te trouver. Ça te trouver. Gabrielle Goulet, j'ai une Bourgette et je suis une auteure-compositeur.
Il y a un petit brin de rayon de soleil qui m'a trouvé seul sur mon lit. On peut sentir le... OK, on reprend ça du début. J'étais folle de t'offrir mon cœur et croire avoir le tien en retour. Moi, je compose vraiment avec mes sentiments. Ça vient de tout du passé. N'importe quoi, là, quand que j'ai la peine, j'écris. J'écris une chanson. Si je suis contente, j'écris une chanson. Ça va avec mes sentiments. Un petit garçon devenu grand, t'as tant changé en quelques années. Savais-tu? Bien, c'est vraiment toute l'expérience. Ça, c'est vraiment un gros concours. On rencontre du monde, pareil comme nous, qui veut être dans la musique. On a la chance de travailler avec un vraiment bon band. On a des ateliers qui nous apprennent tellement de choses. C'est vraiment une bonne expérience. Moi, j'adore ça. Je trippe. Marie-Ève Fortier, Ottawa, auteur, compositeur, interprète. Je fais ça parce que je suis bien, un peu comme ta cigarette. Moi, je flippe au bout de tes doigts, un peu comme si c'était tonique. Comme j'expliquais, la musique, pour moi, c'est vraiment un conduit directement à mes émotions. Fait que c'est important que ça se rende carrément jusqu'au public. Je fais ça parce que je suis bien. J'aime beaucoup jouer avec les mots. J'ai un amour du phrasé, de décortiquer ma langue, de la rabrouer de toutes les façons possibles. Donc, pour moi, ça partait des mots. Et là, de ces mots-là, doucement, il y a une musicalité qui s'installe. Le but, c'est de faire le pont entre le semi-professionnel et le professionnel. On croit en eux, donc on leur donne l'opportunité d'aller avancer plus loin. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est que tu me vois dans tes bras, et dans tes bras.